Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous propose de faire une entrée froide parfaite pour l'été. Est-ce qu'une terrine de légumes, ça vous tente? J'espère que oui, parce que je vous assure, c'est absolument délicieux. C'est frais et c'est surtout très facile à faire. Je vais commencer bien sûr par vous montrer les ingrédients qui sont sur mon plan de travail. Vous les retrouverez notés ainsi que les quantités dans la barre d'information. J'espère vraiment que cette recette va vous plaire. Donc n'oubliez pas les pouces vers le haut. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va. J'ai bien sûr besoin de légumes, j'en ai choisi quelques-uns aujourd'hui, donc une aubergine, un poivron rouge, des courgettes, des carottes, un oignon et des gousses d'ail. Ensuite ici j'ai de la crème fraîche épaisse entière, des œufs, de la semoule de maïs, du parmesan râpé, des herbes fraîches, alors vous choisirez bien sûr celles que vous aimez. Moi aujourd'hui j'ai du basilic et du persil, il me faudra également de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors la première chose à faire bien sûr, ça va être de couper les légumes. Je vais commencer par ceux que je vais éplucher, les carottes, l'ail et l'oignon. Alors l'oignon, je vais l'émincer assez finement et puis les carottes, je vais les couper en rondelles. J'ai coupé le poivron en quatre, j'ai enlevé les graines et puis les membranes qui sont blanches à l'intérieur et je vais maintenant le couper en petits morceaux. Alors comme pour le poivron et les courgettes, je vais garder la peau, je les ai bien sûr bien lavées avant. Alors les courgettes, je vais enlever les extrémités et là également, je vais les couper en morceaux. Allez, le dernier légume, c'est l'aubergine. Alors elle aussi, je l'ai bien lavée, mais je ne vais pas garder la totalité de la peau parce que moi, je trouve que la peau de l'aubergine est toujours un petit peu dure. J'aime pas vraiment ça. Ce que je fais, c'est que je prends mon économe et je vais couper une bande sur deux. Et puis là maintenant, je vais également la couper en petits morceaux. Voilà, j'ai terminé. Donc maintenant, on va passer à la gazinière pour la cuisson de ces légumes. J'ai mis ma cocotte en fonte à chauffer sur le gaz avec de l'huile d'olive à l'intérieur. Alors ce serait gentil d'éviter de m'écrire dans les commentaires que le fond de la cocotte est noir. Je le sais. C'est une cocotte que j'ai depuis plus de 20 ans, je l'ai beaucoup utilisée et elle est plutôt abîmée. Je vais commencer par mettre à l'intérieur mes rondelles de carottes et mon oignon. Voilà, je vais les faire cuire pendant à peu près 4-5 minutes sur un feu moyen. Je vais maintenant augmenter le gaz et ajouter tous les autres légumes. Allez, je mélange. Je fais surtout attention que ça ne brûle pas dans le fond. Je vais maintenant ajouter mon ail que je vais presser. Là, j'ai baissé le feu, hein. Je mélange tout ça. Je vais saler et poivrer. Là, j'utilise du gros sel. Et après, vous prendrez le sel que vous voulez, que ce soit du fin ou du gros, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais couvrir et je vais faire cuire mes légumes sur feu doux pendant une bonne quinzaine de minutes. Je vais surveiller, je ne veux surtout pas bien sûr que ça accroche au fond de la cocotte. Il faut en fait que ces légumes soient bien tendres, c'est-à-dire que quand on plante la lame d'un couteau dans un morceau, il faut que ça rentre tout seul. Je vais ensuite les égoutter dans une passoire et je vous retrouve tout à l'heure dès que les légumes seront refroidis. J'ai mis mon four à chaleur tournante à préchauffer à 180 degrés. J'ai cassé les œufs dans un grand saladier. Je vais les battre. J'ajoute la crème fraîche. Je vais saler et poivrer. Je vais maintenant ajouter les légumes. Alors, j'ai bien fait de les égoutter hein, et il faut le faire parce que vous voyez, ça rend quand même pas mal d'eau. Allez, je mélange tout ça.
Il n'y a plus qu'à ajouter les derniers ingrédients, donc le parmesan. Je vais maintenant ajouter la semoule de maïs. Alors, on peut utiliser une semoule de blé, qu'elle soit fine ou moyenne. Également de la chapelure. Ça, c'est vraiment en fait pour absorber l'humidité qui resterait dans les légumes. Voilà. Après, moi, c'est une précaution. On n'est pas obligé de le faire, mais moi, je préfère. Comme ça, je suis sûre que ma terrine se tient bien par la suite. Allez, je n'ai plus qu'à ajouter mes herbes que je vais ciseler avec mes ciseaux. J'ai préparé mon moule à cake, je l'ai beurré. Et puis, pour plus de précautions, mais bon, normalement, j'ai pas de soucis, mais on sait jamais, j'ai mis dans le fond un papier cuisson. Allez, il n'y a plus qu'à verser la préparation. Je répartis bien les légumes. Je tasse légèrement. Voilà, je n'ai plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes. Le dessus va légèrement dorer. Et puis, je vous retrouve dès la sortie du four. Je viens de sortir ma terrine de légumes du four. Elle y a passé exactement 40 minutes. Elle est vraiment magnifique. Elle a pris une jolie couleur dorée. Et je peux vous dire que dans cette cuisine, ça sent super bon. Alors maintenant, je vais la laisser refroidir totalement à température ambiante. Ensuite, je vais la couvrir avec une feuille de papier aluminium et je vais l'entreposer au réfrigérateur pour plusieurs heures parce qu'il faut qu'elle soit bien froide. Alors moi, j'aurai pas le temps de terminer cette vidéo aujourd'hui, donc je vous retrouve demain pour la démouler et puis surtout pour la goûter. Et pour vous, ben c'est tout de suite. Ma terrine est bien froide, je l'ai sortie du réfrigérateur il y a une dizaine de minutes et je vais maintenant la démouler. Alors, on croise les doigts pour que tout se passe bien. Yes! Oui, superbe. Ah ben, le papier cuisson est même resté au fond du moule. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Elle est super jolie et rien que de là, je sens déjà l'odeur et ça sent très très bon. Allez, j'en ai pris un petit morceau et je goûte. Waouh, c'est génial. C'est très très bon. C'est bien frais, ça fait du bien. En été, c'est génial. Vous avez vu quand je l'ai coupé, c'est une terrine qui se tient formidablement bien. Aucun souci. Les goûts sont là. Tous ces légumes se combinent très très bien ensemble. On a le basilic qui apporte un parfum fantastique. Et également le parmesan qui apporte ce petit plus. C'est génial. Vraiment, c'est génial. J'ai rien d'autre à ajouter. Moi, j'adore. Alors, cette terrine, bien sûr, vous allez pouvoir la servir telle que. Pour moi, elle est déjà assez goûteuse et il n'y a pas forcément besoin de rajouter autre chose. Mais si on veut, bien sûr, on peut la servir avec une petite mayonnaise. Mais pourquoi pas d'une petite sauce au yaourt ou au fromage blanc, juste avec un petit peu de sel de poivre et quelques herbes ou un petit jus de citron. Vraiment quelque chose de très très simple et c'est que du bonheur. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé, d'être resté jusqu'à la fin. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce bleu. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Continuez à cuisiner et à vous régaler. Et merci en tout cas à vous derrière votre écran pour votre fidélité. À très bientôt. Bisous, bye bye.